Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tales of Arise, où, lors du dernier épisode, on avait libéré le village, Zephyr s'était fait tabasser par son fils, Lo, et on avait récupéré Rinoel comme personnage jouable, et on commençait à faire les quêtes secondaires du village de Messia. Et on récupérait les hiboux aussi, parce que maintenant on a un détecteur de hiboux. Et l'ami, c'est pas trop te demander, vous n'auriez pas un peu de silaguin à me donner? Du silaguin? Rinoel, de quoi il s'agit? Il me semble que c'est de l'alcool. Évidemment que c'est de l'alcool. Quoi d'autre? Attendez, venez pas d'ici. À votre place, je fuirai vite avant de me faire dénoncer. Qu'on appelle faire volte-face. Ça se comprend, les gens d'ici grandissent en apprenant à se méfier de tous leurs propres voisins et encore plus des étrangers comme vous. Dites-moi. Pourquoi est-ce que vous avez tant besoin de silaguin? Que les yeux brillants manient le fouet ou non, il faut bien qu'on mette à manger sur la table, d'une façon ou d'une autre. Et sans silaguin, je vais geler sur place. N'est pas seulement l'ivresse qui vous intéresse, vous en avez besoin pour affronter le froid. Malheureusement, on n'a pas de silaguin sur nous. Est-ce qu'il y en aurait quoi que ce soit d'autre qui puisse vous faire... Ça chargera... On ne vous demandera rien en échange, on peut juste vous aider. C'est vrai ça? Dans ce cas, est-ce que vous pourriez me trouver des ingrédients? Mais oui. J'ignore si on pouvait réutiliser des morceaux de zuc pour fabriquer de l'alcool. Les gens ne manquent pas de créativité. Bah oui, tiens. C'est ça que vous cherchiez? Oui, exactement. Ne vous embêtez pas si je vous les prends? Pas du tout, on n'a pas besoin de l'almédia alors. Mais vous pouvez me dire comment vous faites pour fabriquer de l'alcool? Techniquement? Vous pouvez vous contenter de croquer dedans, mais personne n'est assez stupide pour gaspiller de bons ingrédients de cette façon. Enveloppez-les dans de la neige et laissez-les reposer une semaine près du feu, puis distillez la neige fondue et paf, vous avez du silaguin. Mais vous devez être prudent, le silaguin est un alcool fort. Ah. Ça me donne envie d'essayer. Pardon que tu n'auras pas l'âge. Je sais, pas la peine de me le rappeler. Mais comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas travailler à l'extérieur sans silaguin. Alors merci. Et voilà, une quête terminée. Ça, c'est tellement bien que vous puissiez faire les quêtes sans les accepter. Ça, c'est un très, très, très bon truc du jeu. Il y avait un brasero devant moi. Je ne pouvais pas passer. Mince. Fouillons le village. Trouvons des quêtes, trouvons des objets, trouvons des coffres. Hein? Vous avez l'air suspect. Rien qu'en vous regardant, je sais déjà que vous n'êtes pas du coin. En temps normal, je vous signalerai au bureau, mais on parlerait plus. Écoutez, on n'est pas là pour faire du grabuge. Est-ce qu'il y a moyen de vous convaincre de garder le silence? Eh bien, le bureau récompense les dénonciateurs en général. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Je vous demande pardon? On n'a rien à vous proposer. En revanche, on connaît beaucoup d'autres façons de vous faire taire. S'il te plaît, Chionnet. Quoi, s'il te plaît? Non, ça ne me plaît pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Faudrait que je réfléchisse. Je sais, de quoi manger? Vous pourriez me rapporter des fruits et des légumes? Je ne parle pas des horreurs qui poussent dans le coin, je parle de fruits et de légumes qui font pousser à l'extérieur de la ville. Tiens. Des laitues et des pommes. Oh, vous avez de quoi manger pour moi? Eh bien, allez, donnez-moi tout ça. Vous promettez de garder le silence? Oui, je ne parlerai de vous à personne. Qu'est-ce que vous nous cachez? Pourquoi est-ce qu'il est si important que ces fruits et ces légumes viennent de l'extérieur alors que vous pouvez très bien les cultiver ici? Comme je vous l'ai dit, les produits de l'extérieur sont bien plus frais. Si la terre est pratiquement infertile. Sauf qu'on a l'interdiction de quitter le village. Ah oui. Donc si vous nous envoyez au casse-pipe simplement pour remplir l'estomac. Profitez bien de votre nourriture alors. Mais non, ce n'est pas pour me remplir l'estomac, ne soyez pas stupide. Enfin, c'est pas ce que je compte faire avec ça. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Cette nourriture, je vais la vendre évidemment. Est-ce que vous savez combien de gens sont demandeurs d'aliments frais dans le coin? Ah super, j'ai l'impression de m'être carrément sali les mains en aidant ce type. Ce royaume a encore décidément beaucoup de problèmes à surmonter. Oui, mais ça nous donne de l'argent. Et ça on aime. Et des PC. Et avec les PC, eh bien on va pouvoir encore améliorer nos persos. Par là il y a quoi? Allons explorer. Un cheval. Et un monsieur.
Et on ne peut pas y aller, parce qu'on n'a pas encore été voir la fin. Eh ben, allons-y. Allons-y. On peut pas entrer dans les maisons. Je veux rentrer dans les maisons. Je veux voler. Je veux piller. Pardon. C'est pas ce type de jeu. Oh. Est-ce que vous savez que votre pont est cassé? Ça pourrait être dangereux. Un Jackie. Est-ce qu'on veut parler à Jackie? Non. On va d'abord aller voir s'il n'y a pas des trucs ici. Rien. Rien à piller, rien à voler. Mais non ! Impensable, insoutenable. Je suis dégoûté. La négociation chionnaise. しかし、 なんでこんなことに ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに これ以上は時間の無駄のようね お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ シスロデンに連れて行かれて戻ってきた奴はいないんだ おい、やめとけ せっかく助かったのに 構うもんか 密告したきりゃすればいい Oh là là, cette dénonciation, cette délation. Merde. Peut-être. Oh, c'est pas trop l'objectif non plus, hein. On n'est pas là pour massacrer des gens. Ils ont l'air un peu impulsifs, ces gens, je trouve. Calmez-vous. Traverser la forêt. Un truc à piller, au fait? J'ai pas vu. La vache, on peut piller la vache. Oui, volons la vache. Ah non, on peut lui voler que du lait. Dommage. Et c'est à ça que sert ce trou. Ah, ce level design. Ils sont trop forts. そしてジルファはシスロデンか。 途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所。あ、セイン・フォーレイか。アデュランス・フラム。うん。狼のね、ひときわ大きいのが群れを率いてる。あ。私も雪道に襲われて。 Ouais, mais on a le professeur. Donc tout va bien aller. Allez en avant. C'est qu'une forêt, hein, ça va le faire. Un feu de camp. Un marchand. Ah. Très bien. Bah on est obligé de s'arrêter au feu de camp. Est-ce qu'on a des souvenirs? Non. Ok. Eh bien, on peut se reposer. Alors, LT pour l'afficher état du groupe. Oui, on est un peu dans le caca. Ouais, on va cuisiner. Bah voilà. Oh, ça a l'air bon. Effet de cuisine, défense élémentaire. Ah, pourquoi pas, en vrai. Des pommes de terre vapeur. Ah bah ça oui. Alors ça oui mon gars. Ça oui. On va utiliser des patates pour récupérer des PV. Merci Chionné de nous faire manger. Oui, des patates au four.
Passez du temps avec vos coéquipiers. Quand vous reposez dans un campement, passez du temps avec vos coéquipiers pour resserrer les liens. On ne sait jamais, vous pourriez découvrir des... Oh, oui. On pourra faire l'amour à Shione. Shione, est-ce que tu as un moment pour qu'on puisse faire des choses? Et moi qui pensais pouvoir me reposer un peu. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien. Plus d'histoire, plus de lore. Merci, ne fais rien, il faut que je dorme, merci. Ça t'embête que, tant que ça de discuter avec moi? C'est seulement que je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'il y a un sujet qu'on doit absolument aborder dans l'instant. Je ne sais pas, je pense qu'on devrait faire un effort pour mieux se connaître. En cas d'urgence? Si tu tombais subitement malade, je soignerais avec mes arts de guérison. Facile à dire pour toi, mais pour celui qui aurait besoin de ton aide, ça ne serait peut-être pas aussi simple de te le demander. Ce n'est pas ma faute si les gens sont des lâches, à moins que je pense que je pourrais refuser. Ok. Alors quoi? Arrête de tourner autour du pot. Écoute, ce que j'essaie de te dire, c'est que si on voyage ensemble, il serait plus judicieux de rechercher l'harmonie plutôt que la discorde. L'entremélage, quoi. Je vois pas où tu veux en venir. Mais quoi qu'il en soit, je vois bien que c'est important pour toi. Je n'essaie pas de compliquer les choses juste pour compliquer les choses. Alors je ferai un effort pour discuter de temps en temps. Et quand il n'y aura aucune urgence à le faire, ça te va? Très bien, ça me va. Alors si ça ne te gêne pas maintenant, je vais dormir. Elle n'a rien compris en fait. Ah bah c'est Shione. Ah, on est plus proche de Shione, ça se voit. Ah, on doit choisir entre un des deux. Ah bah je croyais que je pouvais faire les deux. Non. Tu comptes rester à ne rien faire encore longtemps, Alphen? Parce que là, j'ai l'impression que tu perds tout le temps. Je ne suis pas en train de flâner, c'est ce que tu sous-entends. Ah oui? Me voilà rassuré, je croyais que tu avais encore oublié notre mission. C'est bon, c'est pas la peine. Et Alphen, c'est bon pour moi. D'accord, merci de m'avoir prévenu. Je t'ai vu bavarder avec l'autre, les yeux brillants, avant l'extinction des feux l'année dernière. De quoi vous avez parlé? N'a rien dit de spécial, je voulais voir si ça l'aiderait à nouveau s'ouvrir. Ça veut dire que... C'est une Rénienne. Ouais, il faut pas leur parler. Faut pas être sympa avec elle. Ouais. On est parti pour faire un grand voyage ensemble. Être à couteau tiré ne facilitera pas les choses. C'est pas faux. On n'avancera que si on hurle dessus au lieu de se coopérer. Bah oui. Sachant de comprendre les motivations de chacun et de se respecter mutuellement. Voilà, le respect, c'est important. Vraiment qu'elle est prête à faire ce genre d'effort? Moi j'en doute. Bon écoute, pour le moment. C'est fou comme tout le monde part en vrille sans zéphyr. On ne pourra rien accomplir dans ces conditions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Bonne question. Je vais poursuivre mes efforts et apaiser les tensions. Donc, si on avait parlé à la petite fille plutôt qu'à Shione, on aurait eu un autre dialogue, vous croyez? Pété. Allez! Défense élémentaire plus 50. Plus de remplissage, boum. Allez, voilà. Et toi, il t'en manque un. Comme ça, on va pouvoir faire plein de fois des frappes. Et ça, ce sera trop bien. Nous, c'est ce qu'on veut. Alors, créer une arme. Est-ce qu'on peut... On peut en créer d'autres. Oui, oui. Ah non, il manque une graine de terre. Et une crinière de bait. Et non. Oh là là. Méga noyau étrange, serre semi-humaine, ok. Oh là 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 là, il me manque des trucs. Donc on va les farmer, c'est parti. Non, non, c'est bon. En avant, on peut les farmer. On peut créer plein d'armes. Des armes de feu et tout. Là, on va les farmer.
Le farm, c'est la vie. Non, c'est faux. Mais dans ces jeux-là, ça va, ça se passe bien. Un truc que j'ai pas testé. Il y a un truc que j'ai pas encore testé dans le jeu. Et qu'il faut que je teste. Il neige. Alors. Yeah. Des tomates. Alors. Donc il faut que je teste. Voilà. Et si je fais ça. Ah ouais, on peut changer d'équipement pendant un combat. D'accord, c'est ce que je voulais voir. Ok, très bien. Voilà. Voilà. Il a pris cher. Ah, récupération des PV après les combats, c'est tellement pété. Merci. Une gelée de pompe. Ah, est-ce qu'on peut sauter là? Je ne pense pas. Non. Très bien. Il faut passer par là. Tu vas avoir froid, Chionnet. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. Ah bah oui. Ah, il fait... Elle plonge. De l'argent. Bravo, quel talent, Chionnet. Roche en relief. Très bien. Merci pour les poissons. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que vous avez une différence de... On voit quand le personnage est mouillé. Et ça, je trouve ça génial. Parce que j'aurais très bien pu ne pas le faire. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Alors, c'est moi ou on n'a rien vu? j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Très bien. Hello. Bon non. Tout se passe bien. Hein. Je croyais que c'était un endroit où c'était dangereux de traverser, mais ça va en vrai, on y arrive. Quoi. Oui, je suis empoisonné, c'est pas très très grave. Voilà, très bien. Quel talent. Hein? D'accord. Pourquoi pas? Ok, on débloque des trucs comme ça en plein milieu des... Ok. Mais pourtant, elle a pas développé. À force d'utiliser des trucs, on peut débloquer d'autres trucs. C'est trop bien ce jeu. Ce jeu est trop bien. Autant que je le dis. Et tout débloquer, ça doit être un jeu du farming intense. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Voilà. Pauvre petit. Ah c'est... D'accord, là ça va changer un peu, soit ce sera Chionné, soit ce sera la fille, Rinwell. D'accord. Ah, on peut descendre ici. Alors attendez. C'est pas la suite de l'histoire. Toi
Action de terrain ? En avant ! Ah, une Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Soigner. Oui, je vais te soigner. Ça me coûte des points, hein, mais c'est pas grave. Oh, j'étais parti chercher à manger ! Des graines de terre, merci. Je pense que ça a des bonus. Je pense que si on le fait, on aura des bonus plus tard. Plus que des graines de terre, non. Il y a un coffre. Allons chercher le coffre. Ouais. Le massacre. Ah bah oui, ça s'appelle une victoire. Ça, ça, on peut pas dire que c'était pas une victoire. On les a défoncés, massacrés, humiliés, tout ce que vous voulez, quoi. Un gros. Alors, le gros, je pense qu'on va save avant d'aller le voir quand même. Parce qu'il est gros. Une gelée de pêche. Allez. Moi, je vais sauvegarder avant d'aller affronter le gros. Allez. On sauvegarde et on va taper le gros. Hein. Allez, on y va. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va se faire péter le cul. Ah, ils sont deux. Ah, il y a deux gros. J'aurais peut-être dû garder toutes mes frappes pour ce combat. Peut-être. C'est pas grave. Allez. Voilà. Allez. Aïe. Ouh. Ah. Ah. Aou. 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 Ah, ok. Aïe. Ouh. 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 Allez. Allez. Ok. Yes. Nous avons gagné le fight. Trop fort. Allez. Oui, la robe d'Onyx. Alors, je dirais que c'est pour... Alors, dommage qu'on voit pas à quoi ça ressemble, mais... Le problème, c'est que je sais pas comment on enlève les tenues qu'on a mis. The... Et que si on fait changer la panoplie, bah voilà ce que ça donne. Ah, les guerriers angéliques, évidemment. Mais elle aussi, elle peut avoir des... Ah, des oreilles... C'est vrai, on n'avait pas regardé les oreilles de loup. Faudrait que je trouve son guerrier angélique à elle. Pour les gros boss, vous savez. Les boss de... Les seigneurs. On va toujours faire la revanche des anges. Ah, il est gros lui. Loup des glaces alpha. Très bien. Et hop. Dommage. J'ai fait la merde. Allez. Oh, je l'ai touché quand même. Allez, 13. Alors ça c'est juste pour le plaisir, hein. Il était mort. Hein. Mais... Faire les grosses attaques comme ça c'est juste du plaisir. Ok.
Est-ce que si on est proche de quelqu'un, est-ce que si on augmente la relation avec quelqu'un, on a d'autres attaques de finale, peut-être? Je ne sais pas. Laboulabi. Ok, c'est parti. C'est pas grave. On va tous vous défoncer. Croyez-moi. Boum. Voilà. On va tuer lui déjà. Voilà, c'est très bien. Ah, ouf. Aïe. Ils sont forts, ils font mal, ils font du dégât. Voilà. Ah ouf, ah ouf, ah ouf. Allez, on y va. Voilà. Il est mort. Quelle force, quel talent. Juste pour de la verveine. Très bien. Ok, on y va. Hop là. Bah si c'était que ça, ta forêt, ça va. Hein? Franchement, ça va. Un marchand. Très bien. Non, c'est là. Oh, que nous veut le petit garçon? Ah, pourquoi il fallait que ce soit un de ces ogles là? Il me balaye nulle part, il me bloque le passage. Qu'est-ce que vous faites dans un endroit si dangereux? Moi? Et vous alors? Qu'est-ce que vous faites tout cela? Vous m'avez suivi? Si vous voulez me dénoncer, vous feriez bien d'y réfléchir à deux fois. On n'est pas là pour ça. On cherche simplement à rejoindre Sisloden pour aider un de nos amis. Hein? Alors vous êtes une bande de dingues? Super, sauvez-vous avant d'attirer l'attention sur moi. Vous avez parlé d'un zeugle, il y en a un gros par là? Oui, un zeugle loup, il est énorme et sacrément coriace. Et en plus, il est agile comme un singe. Vous pourriez peut-être le battre, vous, si vous arrivez à toucher son point faible, mais moi, j'ai à peine de quoi l'effleurer. Bon sang. Vous pensez pouvoir traverser la forêt facilement? Je suivais ses agents du bureau, mais là, c'est fichu. Pas forcément. On va aller lui casser la bouche. Vous êtes encore plus dingue que ce que je pensais. Si vous croyez être dans... que c'est dans vos cordes, allez-y, ne vous gênez pas. Allez, on y va. On va aller lui casser la bouche. Bonjour. Ah, et le... De quoi se soigner juste avant? Alors, très bien, très bien, très bien. Et ça, on les a pas, donc je vais les acheter. Oui. Armure, oui, mais on va pas l'équiper. Parce qu'en fait, elle est nulle. Mais comme on les a pas, eh bien, au moins on les aura. Vous savez, c'est la collectionnite. Alors, est-ce que je peux la créer maintenant? Non, mais ça, je peux. Je peux la créer, celle-là. Eh bien, je vais le faire. Parce que celle-là manque quoi? Une crinière de bête. Fabriquer et équiper parce qu'elle est meilleure. Voilà. Là, je peux pas les créer, dommage. Et toi, je peux pas les créer non plus. Oh, ce tromblon. Ce fusil, il est trop beau. Très bien. Mince, 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 mince. Et au niveau des accessoires, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Défense, tout. Grenade. Ouais, mais ça, on les a déjà, en fait. On peut améliorer. Hein. En faisant monter le level... On peut les trier par rareté. Ok. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas à quel point c'est important d'améliorer les objets. En fait. C'est très, 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 très frustrant. Mais on fera le boss lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.